Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 19 de notre folle aventure sur God of War Ragnarok, comme d'habitude 4K 60 FPS. Merci à tous ceux qui pensent aux gemmes et aux commentaires. Ça fait extrêmement plaisir. Un minerai raffiné provenant de l'étincelle de la création où l'ordre et le chaos cohabitent. Très bien. N'oubliez pas le petit j'aime et le commentaire, ça fait toujours plaisir, ça vous le savez très très bien. Installez-vous confortablement, on est parti une bonne demi-heure ensemble, avec une qualité toujours folle. J'espère que vous en prenez plein la rétine. Es-tu... sommes-nous les seuls géants restants? Oui et non, c'est assez compliqué. Je veux savoir. Ce sera plus simple de te le montrer. Et ma prophétie alors? Si elle dit vrai, que dois-je faire selon toi? Peu importe. Tu ne peux pas changer ta destinée. Tu peux faire ce que tu veux pour l'éviter. Ce qui doit arriver arrivera. Tu veux dire que personne n'a jamais changé son destin? Jamais? Enfin... si, peut-être dans les détails, mais... le résultat final sera le même. Mieux vaut suivre sa voie que tenter de la changer. C'est les faibles qui disent ça. Ok. C'est un bail là, non? En vrai. Non, que dalle? Que dalle. Dommage. J'y croyais. On a le droit de croire à ses rêves. Oh. Une petite plateforme. Où veux-tu en venir? Qu'est-ce que c'est? Un élévateur. Nous devrons laisser Yala ici. Nous devons monter. Et... oh, la machine. Ce cadeau, je n'ai pas l'impression qu'il te plaise beaucoup. Ça veut juste dire qu'on approche de la fin. Que veux-tu dire? Tu comprendras quand nous y serons. Quoi? Faut pas dire des trucs comme ça, hein, cousine, hein. Faut vraiment pas dire des trucs comme ça, hein. On n'est même pas à l'épisode 20, on calme un peu, hein. Ok. J'ai peur, les gars. Je commence à avoir la bouche un peu pâteuse. Il est temps que j'accomplisse ma part de la prophétie. Qu'est-ce que... viens avec moi. On va se foutre en l'air ou quoi? Suivre Hunger Boda dans le canyon. Ok, pousse. Pousse. Lâcher gravé de runes. La première flèche runique d'un carquois. Ça, on l'avait retiré. On va faire ça. Saisissez un ennemi. Ok. Très bien. Oh la vache, il y a beaucoup trop de choses. Il y a beaucoup trop de choses, les amis. J'aimerais vraiment bailler tout ça. Voilà, allez, on s'est amélioré, on a toujours plus de possibilités. Oh là là, je suis un monstre. Ok, on vient d'essayer la nouveauté. Ok. Par contre, il devient trop cool à jouer, Atreus. Vraiment. Y'a rien là-haut. Ok. Allez, passe, bibiche. Non, là, Atreus, il devient vraiment trop plaisant à jouer, hein. Quoi? C'est fini.
Oh là là! Oh là là, mais il est fou, Atreus, là! Je m'en charge! Tiens pas! Ok. Très bien. Très très bien. Là il y a quelque chose à faire. Là il y a quelque chose à faire. Et ben on va aller checker tout ça, non? Et là on peut pas monter. Là on peut pas monter. Très bien. Notre seule issue, c'est la bagarre. Allez go. On va essayer de trouver tous les petits passages là. Parce que je vois qu'il y a de la récompense à mon avis. Nous arrivons à la vallée des disparus. Pardon. Leur est-il arrivé? Ils étaient là de vivre dans la peur d'Asgard. Alors, ils se sont cachés. En laissant une pile de corps pour tromper Odin s'il venait à entrer dans Jotunheim. Où se cache-t-il? Tu verras. Attendez, parce qu'il y a un truc qui me bloque là. Il y a un truc qui me gêne. On va réfléchir. Là, on a un bouclier. Vous croyez que je vais revenir ici avec. Avec Kratos? Là, il y a une issue. Là, il y a une issue. Et là, un bouclier. Ouais. Bon, écoutez, je... D'apparence, je ne vois rien. Sûrement que ça se passera de l'autre côté. Je sais pas, c'est très bizarre. Et là... Là, on n'a rien. Oh, c'est beau, par contre, ça a de la gueule, hein. Vache. Ok. Bah écoutez, pour l'instant, il n'y a rien à faire. Peut-être qu'on reviendra avec un accessoire ou autre en plus. Ça ira. Ah. Ah. Quelle est ta prophétie? Oh, d'autres billes. Quoi? T'en as déjà vu? Pas celle-là, mais j'en ai trouvé à Midgard. Où ça? Dans les fresques de ta mère. Oh, mais alors... Il y en a d'autres. Qu'est-ce que c'est? Regarde. Ça, c'est des bocalos, ça. Hein. Tiazi. Il a jeté, là. Rosser. Et attention. Para. Des géants. Elles sont à des géants. Elles sont les géants. Ils avaient le choix. Rester à Jotunheim. À attendre qu'Odin trouve un moyen de les exterminer. Ou se cacher. Mon père les a aidés à insuffler leurs âmes dans ces billes. Et avant sa mort, il me les a confiés. Dans ses billes. Ils sont en paix. Maintenant, tu en as la responsabilité. Un peu des Pokéballs, quoi. Tu es sûr? Eh bien... Ma mère a vu ça. Tu
tu es censé savoir quoi en faire le moment venu. Oui, mais quand ? Je n'en sais rien. Rentrons. Mais c'est... une sacrée responsabilité. C'est vrai. Et c'est la tienne. Hé, hey, tout va bien ? Oui. Oui, non, juste, j'ai fini. En fait... maintenant que je te les ai donnés, je n'ai plus de rôle à jouer. C'est terminé. Tu pourrais venir avec moi ? On affronterait Odin ensemble. Si j'étais censée combattre à tes côtés, je ne disparaîtrais pas au beau milieu de ta fresque pourrie. Je comprends. Mais... mieux vaut ne pas les séparer. Tu ne crois pas ? Allez, avance. Ok. Le plus haut pic des royaumes. La seule fois où je suis allé à Jotunheim, c'était avec mon père. Tu connais les doigts du géant ? J'y ai répandu les cendres de ma mère. Ça me paraît tellement... Oui, c'était là la fin du jeu, c'était là-haut, les potes. Hé, c'est pas parce qu'il y a cette fresque débile que ton histoire doit s'arrêter là. Je sais. Enfin, j'ai des projets, seulement... pour la partie des géants, c'est terminé. Et comprends si vite ! Qu'est-ce que je deviens ? Mon ami ? C'est beau. Attends, tu as senti ça ? Senti quoi ? Aide-moi avec ça. Retournez auprès de Gala ! Il y a quelque chose qui cloche. Attends, c'est Odin qui vient casser les gueules ? Non. Je peux pas venir au bois de fer. Ça sent encore moins bon, de moins en moins bon les ribis là. Angar Boda, tu veux bien ? Elle va bien ? Non ! Loki ! Qu'est-ce qui se passe ? Ne t'en fais pas, je m'en occupe ! Va voir, Yala ! Reviens ! Wesh ! Repose ça ! Oh. Oh là là ! Ulfa Uta ! Ok. Yalfa ! Ok. Ça a pas l'air dégueu. Il me reste presque pas de vie. Ouh ! Angar Boda ! Où es-tu ? Eh oh ! Là-haut ! Yala va bien ? Oui. Moi, Didalir ! Ah bah voilà. Désolée pour ça. Attends, j'ai rien loupé derrière là, j'ai rien laissé là. Pff, on a eu chaud, hein. Bois, Didalir, ça doit être fou. C'est Ebi. C'est vraiment tout ce qu'il reste des géants ? Peut-être pas. D'autres ont juste... disparu. Mais... où peuvent-ils être ? Nulle part dans les 9 royaumes. Du moins, pas qu'on sache. Ok. Ok, on a eu super chaud. On a eu super chaud, elle m'a abandonné gratuitement, c'est pas pourquoi, frérot. Elle a pété un crâne. Pas là ! Après ces rochers, il y a une doline. C'est là que nous allons. Nous devrions... quelque chose ne va pas ? Personne ne croyait que ce lieu existait. Ils vont être drôlement surpris. Loki, tu ne dois parler à personne du bois de fer. Pas même à ton père. Quoi ? Si ce lieu est en sécurité, c'est avant tout parce qu'Odin ne le cherche pas. Je peux tenir les animaux à l'écart, mais si Asgard devait débarquer... Je comprends. Désolé. Je n'en parlerai pas. Oh non, ça c'est les embrouilles, ça. Ça c'est les embrouilles, bien sûr qu'il faut en parler.
Examinez le passage dissimulé. Ah, il est bien dissimulé. Tola. Ok, il est dissimulé là maintenant. Atnou, on a de la visite. Ok. Oh, bonjour. Au revoir. Très bien ça. En voilà un autre. C'est pas. Est-ce que c'est le chef de la meute? Non, c'est plutôt l'autre. C'est l'une des plus âgées. Regarde la doline qui approche. Elle est pleine de créatures. Avant, au fond, je trouvais un tas de ressources pour pondre. Ah oui? On devrait les chasser. Ton matériel de peinture est précieux. Si tu en as envie, bien sûr. Oui. Oula. Pourquoi pas? Lynn. Oh merde, je l'ai gêné. Bon, y a tout le monde qui s'y met. On va y aller, oh. Région découverte, Doline Didi. Parfaite. Hé, j'ai... Tu es une fleur? Oh, c'est... C'est pour toi. Merci, mais... Garde-la. Oui, bon, on cherche des nids de calamité. C'est là que je trouverai les ressources dont j'ai besoin. Alors, ouvre l'œil. Ok. Elle m'a cassé la gueule, hein. Il fait tellement noir ici. Je vais arranger ça. Ok. Des calamités, il y a tout un nid. Elles sont partout ici. Ok. En allumant plus de torches, nous pourrons les voir, les éliminer et ramasser ce qu'elles nous laissent. C'est parti. Passe devant. Au revoir. J'allumerai le torche. Ok. 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 Chaud. Fais-moi signe si tu vois d'autres torches. Je les allumerai pour qu'on puisse avancer. La vache! Moi, je voulais que ça! Battez les couilles, moi, du... Encore du bois. Ok. Ok, cette torche ne veut pas s'allumer. Tiens donc. Comme c'est étrange. Ce serait facile de se perdre ici. Hein? C'est bon, on s'en sortira. Ok. Là, on a un coffre de fou de l'autre côté. Ça sent un peu bizarre. C'est comme le copie. Il y a un fort! Ben voilà. D'accord, en fait, c'est de corruption. Tu devrais voir Midgard. Ouvre bien l'œil.
Qui a le fort ? Reviens ! Qu'est-ce que tu disais ? Ok. Je t'assure que cet endroit n'a pas toujours été ici. Très bien. D'accord. Niveau vie, ça commence à être tendu du cul, hein, si je puis me permettre cette expression. J'essaye de me focus, mais... Ah. Oh non. Comment te sens-tu ? Non, c'est trop frère. Jack. Attrape ça. Tiens le fort. Ok. Bon, alors je vois l'esquive, ça c'est de là où je viens. Attends, ça vient d'où, frère ? Il vient d'en haut, le mat. Ok. Tiens pas ! Sûrement un des derniers. Oh là là. Tendu, hein ? T'as mis quoi dans ta poche, toi ? Quoi, t'as pas vu ou quoi ? Ok. Oh là là. J'ai une idée. Et si tu venais avec moi ? C'est ça ? Garde. Notre royaume, n'importe où. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Mes animaux ont besoin de moi. Mais c'est gentil de me dire. Très bien. Je pense qu'il y en a un autre pas loin. Entendu. Le voyage. Très bien. Viens le fort. Ok. Je m'en charge. Ça, malheureusement, ça ne me donne pas de vie. Oh. Ça me plaît. Allez, régale-moi. Serre privatrice de progéniture, faucon chargé de mes couilles. Ok, on verra ça plus tard. What the fuck? Attrape ça! Et quelle est ta couleur préférée? Je ne dois en choisir qu'une. Pas si tu en as plusieurs. Non. Non, d'accord. Bleu. Non, peut-être vert. Mais le jaune est beau aussi. Mais comment me faire choisir le rouge ? Viens pas ! Ok, les Je crois que c'était le dernier. Merci. Est-ce que tu te sens mieux ? Un peu. Repartons. Ok. Bah, très bien. Compris. Hop. Ça valait le coup. Ok, on va où maintenant ? C'est par là la sortie. Super, allez, let's go. Let's go, c'est fini. Bonne chose de faite. Ah. Inversa. C'était sûr que détruire ces nids énerverait quelqu'un. Vous n'avez pas le choix. Ça ne change rien pour elle. Elle va où, ça ? Hop ! Ah !
pas. Je couvre. Allez, let's go. Ça m'a baisé mon RPG, oh, what the fuck, les amis. Oh non, j'ai le seum. Ça va? Okay. Oui. Et toi? Prête à sortir d'ici. Ça a l'air fou. Ça a l'air fou, tout ce qu'on a eu. Tout ce qu'on a eu, ça a l'air fou. Ralentissez le temps et tire trois flèches. Rentrons à la maison. Ok, quoi? Ça me plaît. Ok. Ça me plaît, j'aime bien. C'est... Je pensais que connaître ma destinée changerait quelque chose. Mais je suis toujours moi. C'était pareil pour toi? Tu seras toujours celui que tu es, Loki. Il s'agit seulement de l'accepter. Et toi, tu l'as accepté? Je le pensais. Je rappelle qu'à la base, on était dans mon chemin. Faisons plutôt le tour de la doline, ce sera plus rapide. Ok. Rentrer à travers les marécages. Superbe. Donc je suppose qu'il va falloir aller avec le frérot. Viens par là, toi. Viens par là, installe-toi, Bubiche. Oh, je voulais te demander. Ta mère avait des visions. Les géants peuvent-ils tous prédire l'avenir? Certains. En rêve. Eh, oui. J'ai rêvé de Thor il y a peu. Thor? Et c'est arrivé. Il est venu chez nous. Quoi? Vraiment? Ça ressemble un peu à un cauchemar. Ouais. Un peu. Ok. Bon bah les amis, il est temps de rentrer. Est-ce que je vais repop dans mon lit? J'en ai aucune putain d'idée. C'est dangereux? T'es adorable. C'est joli? Oui. Ok. C'est censé être un raccourci par là. On arrive juste à temps. Pourquoi? Oh waouh! Je sais que ça a pu être étrange, de bien des façons, mais je suis contente que tu sois venue. Moi aussi. Ok. C'est beaucoup de lucioles, c'est beau. Ok. Toujours des petites surprises pour moi, elle fait plaisir, hein. Maintenant que je sais comment venir jusqu'ici, je peux venir te voir quand je veux. D'accord? Quand? Je ne sais pas. Quand ce sera plus calme. Tu veux dire après le Ragnarok? Oui. Bien sûr. Je crois que je serai pas débordée. Ok. Allez, ma grande, tu peux y arriver. Y'a quoi en haut? Un raccourci. C'est bien. Tu vas y arriver, Yala. Je crois en toi. Laissons Yala souffler. Je pensais à ce que j'ai dit. Fruits. Tu sais, à propos de tes peintures, tu es vraiment doué. Essaierais-tu de me réconforter? Oui. Ça fonctionne? Redemande-moi, Adam. C'est pas trop tôt. Qu'est-ce que... Tais-toi. Il est trop tard pour te plaindre. Maintenant. Oh, attends, tu fais du mal à un loup, là? Viens que je te casse la gueule.
Qui était-ce? Grilla. Elle... Est-il arrivé? Je ne sens rien du tout. Il n'y a rien à sentir. Grilla a expulsé son âme. Tu sais où elle vit? Que vas-tu faire? J'ai enterré trop de loups cet hiver. Suis-moi. Bien joué, ça! Sois fier de toi, mon Atreus! On va la monter en l'air, là, cette chienne-là. Les amis, il est temps de s'arrêter là. Libérez le loup des griffes de Grilla. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. On se retrouve pour un combat qui promet d'être exceptionnel. Allez, à bientôt pour l'épisode 20. Bye bye tout le monde.